Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous savez, de nos jours, c'est tellement facile avec les réseaux sociaux, premièrement, d'être distrait. Deuxièmement, de penser que, comme on a tellement de plateformes qui nous enseignent la spiritualité, de se dire qu'on maîtrise. Il y a les bases de spiritualité que tu connaissais depuis, donc, il y a cela 2 ans quand tu as commencé à avoir ton éveil. Qu'est-ce que tu faisais fidèlement? Voilà ce que généralement vous oubliez. Et vous vous retrouvez en train de ramer après 1 an, 2 ans. Premièrement, la spiritualité, c'est le cardio. Si tu n'as pas le cœur, tu vas abandonner. Entrez. Oui. Pas le cœur, tu vas abandonner parce que au début de ta spiritualité, ce qui t'ouvrait les portes, c'est le fait que tu faisais fidèlement ce que tu avais à faire. Avec le temps, les esprits qui te bloquaient s'habituent à ta routine et ils s'adaptent. Ce qui fait qu'avec du temps, après 1 an, 2 ans, beaucoup d'entre vous, vous ne faites plus ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être il y a cela 1 mois, 1 an, tu as pris un kit de fondation, tu as fait, ça a marché. Depuis là, tu n'as plus jamais pris. Hein? Peut-être tu avais acheté un gel qui a fait un truc sur toi, ça a marché. Après là, tu n'as plus jamais pris. Et le pire, c'est que tu es bloqué à nouveau, mais tu ne te rends même pas compte. Le plus pire, c'est quand tu es endormi et tu ne sais pas que tu es endormi. Fais très attention à la spiritualité. Donc, est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu fais ce que tu connaissais faire à la base? La spiritualité n'est pas compliquée, mais il faut être consistant, il faut être discipliné, il faut être les libations, les penser à ses ancêtres, faire ses prières, faire des dons aux orphelins. C'est basique, mais c'est nécessaire. On n'évolue pas. Bon entendeur, on n'est pas toutes mes choses comme ça là. Premièrement, d'être distrait. Deuxièmement, de penser que... Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Dès que je lance cette publication. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Kokane Kasagu. Katakiwasa. Star. Star. Kira. Kira. Ok. Une connexion que j'ai mise ici, là. Depuis que je suis arrivé à Ouaga, j'ai mis la connexion sur mon téléphone. Rien pas utilisé. Mais on va l'utiliser ce soir. Berthe, bonsoir. Tu sais quel est le plus grand challenge que tu peux avoir? C'est de tomber dans l'oisiveté.
c'est d'être dans le laxisme. Le laxisme spirituel. Attendez, je dois chercher l'enfant. Voilà les plumes qu'ils m'ont déjà données. Ça, j'avais ramassé au bord de l'eau. Like, how big is this? You know what? You, look, look. Je vais vous montrer. Regardez. C'est tellement long. Ça va tomber d'un moment à l'autre. Je n'ai pas accroché. Ça, je ne sais pas où je l'ai eu. Mais c'était sûrement sur un lieu, un autre lieu. Donc, on va avoir des antennes ce soir. Bonsoir, Guylaine. Kokane Katakiwasa. Je mets la lumière dans votre esprit. Je vous réveille de tout sommeil spirituel dans lequel vous avez été planté. Toute parole contradictoire qui n'est pas bien pour vous. Si on m'a contredit dans votre esprit et c'est bien pour vous que ça prévale, que ça domine. Mais si on m'a contredit et ça vous a embrouillé, ça vous a enlevé du bon chemin. Que ce que je vais dire ce soir, ça vous restaure, ça remet la lumière dans votre esprit. Que ça remette la clarté dans, dans ce que vous aviez commencé de bien. Je viens vous rappeler toutes les bonnes actions que vous aviez posées. Non, mais c'est pas vrai, ça. Mais t'es où, toi? Waouh! Franchement, on t'a escroqué, ça veut dire que ton esprit... Je suis ici chaque jour dans le direct. Chaque jour, je suis dans mon numéro dans le direct. Tu viens, tu pars te faire escroquer. C'est hein? J'ai envie de te dire bête. Mais bon, la douleur de ton argent, il est assez. Je n'ai pas besoin d'ajouter ma part. Tu tombes dans mon direct, hein? Tu me vois chaque jour. Allez, continuez de vous faire escroquer. Pour moi, quoi? Continuez. Tu as l'argent à jeter, non? Vous aimez qu'on vous flatte. Allez faire ça ailleurs. On escroque pas n'importe qui. On escroque pas n'importe qui. On vous escroque parce que vous-même vous cherchez. Voilà. Continuons ce qu'on disait. Quitte à vos bêtises là. On t'a escroqué 50 euros. Tu voulais la réduction, je suis sûr. Tu cherchais la réduction, n'est-ce pas? Il t'a dit qu'il te faisait la réduction, non? Il t'a dit qu'il t'a donné la réduction, n'est-ce pas? Voilà. Cherchez toujours. Je te dis, pourtant, je suis foiré jusqu'à... Laisse-moi tes bêtises. Laisse tes bêtises. Tu es foiré, quoi? Bon, laissez ça. Il veut même te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Quand il parle dans mes directs, c'est là où vous me prenez pour une folle, n'est-ce pas? Les gens-là n'escroquent pas n'importe qui. Je vous dis, cache. Parce que vos esprits sont tordus. Quand ton esprit est tordu, on t'escroque. Cache. L'argent, c'est l'énergie. Il m'a escroqué 50 euros. Il était venu dans mon direct depuis 2 jours. Je ne me fâche pas. Si tu veux, tu... Ok. Dis-le que je ne parle pas aux gens qui pleurent, qui sont pauvres. Si vous avez la bougie chez vous allumée, non. Allumez la bougie parce qu'on doit faire des rituels ce soir. Vous venez vous connecter à mon énergie, pourquoi? Et vous pleurez l'argent. Je ne travaille pas avec les filles pauvres. Ne m'écoutez même pas. Si tu es pauvre, sortez de mon direct. Je ne veux pas fonctionner avec les pauvres. Merci.
qu'une nouvelle identité spirituelle ce soir qu'on m'a donnée. Je sens qu'il y a des choses qu'il veut vous donner. I'm so sure. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je vous parle. Que votre esprit sorte du noir. Que vous ne déviez pas du chemin. Je demande que vous ayez la lucidité mentale, spirituelle, financière. Que vous sachiez comment investir votre argent. Vous me connaissez avec le business. Tu me suis depuis 3 mois, tu es pauvre, tu me signales. Je te bloque. Tu me suis, tu n'as pas d'activité que tu as lancée. Tu me signales, je te bloque. Tu me suis et puis tu te fais escroquer par un gars. Je te bloque. Quand je me suis assise dans ton bureau, là, la douleur du dos, là, ça sort de ta chaise. Oui. Mais c'est ça qu'ils ont attaqué ce soir, donc ne t'inquiète même pas. Je déclare la clarté dans votre esprit. La clarté dans votre esprit. Je vous délivre de toute paralysie spirituelle dont vous avez été victime. Je vois quelqu'un ici, là, l'année passée, tu faisais bien ton travail spirituel. Tu te lèves, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu fais ce qu'il y a à faire sur toi. Depuis un temps, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Toute paralysie spirituelle dont tu as été victime, je t'en libère à cet instant. Comme tu m'écoutes, comme le son de ma voix touche ton oreille ce soir, j'appelle vos ancêtres et mes propres ancêtres. Prononcez leur nom. Vos mères et vos pères qui sont morts depuis là. Appelez-les. Comme vous a dit à l'église, que comme ta mère est morte, elle te déteste là. Appelez-les. Ma mère s'appelle Aurélie. Très mignonne, elle était très belle. Vous me voyez comme ça, ma mère était très belle. Maman Aurélie. Avec tous les ancêtres, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, même les parents que vous ne connaissez, vous n'avez pas rencontré. Oui, on les appelle en assistance aujourd'hui. Vous n'avez pas souffert pour que nous on souffre. Toute puissance que nous avez donnée qui a été volée par qui que ce soit, oncle, tante, père, mère, soeur, frère, qui s'assoit sur notre destinée, ceux qui m'écoutent et qui s'accordent avec moi, nous détruisons la puissance de l'ennemi qui a été envoyé sur les personnes qui m'écoutent. Je vous sors de la confusion spirituelle. Je vois quelqu'un ici, un moment, tu étais clair. Après, tu te sens comme si on t'a attaché, comme si tu as la peur sur toi. Tu ne sais plus ce que tu veux faire. Tu es confuse tellement que tu arrêtes même tout. Tu ne pries plus. Même le lavage au sel, le sel là pour verser dans ta maison, tu ne verses pas. Bête, tu as perdu ton argent. On ne pleure pas ici. Hein? On ne pleure pas ici. On vous dit de payer la dîme, vous ne payez pas. Tu ne payes pas ta dîme, tu vas perdre ton argent. Bien évidemment. Voilà. Faut pas m'embêter. Je remets la clarté, la lucidité, l'inspiration dans ton esprit. Que tout ce que tu as perdu, tout ce que tu étais censé avoir et que tu as perdu, je te le remets. Toute personne qui t'a attaché, tu es dans la maison de quelqu'un qu'on t'a attaché, je te sors de là. Je restaure ton odorat, tes oreilles. Je vois quelqu'un ici là que tu étais très guidé par tes ancêtres. À un moment, tu ne sais même pas ce qui s'est passé.
Tu as perdu la connexion. Qu'il vous parle cette nuit. Qu'il revienne vous confirmer ce que vous êtes appelé à faire. Qu'il vous montre le visage des personnes qui vous bloquent. Qu'il vous montre comment on vous a bloqué et comment vous débloquer. Qu'il vous amène vers les personnes qui vont travailler sur vous. Si ce n'est pas moi, qu'on vous amène chez la personne. C'est ça quand j'ai fait les produits, je mets à votre. Vous m'écoutez seulement tous les soirs. Tu ne peux pas acheter les, trucs, les poudres que je vends, les feuilles que j'ai fait les mis ensemble. Tu ne peux pas acheter. Tu es là comme ça. Tu es bloqué. On te dit, lave-toi avec le sel qui est dans ta cuisine. Ça te dépasse. Tu as commencé ton projet, tu n'as plus de rentrée d'argent. Tu me vois, je suis la Banque mondiale. Je donne l'argent aux gens. On dit, lave ton sel, tu ne te laves pas. Paye ta dîme, tu ne payes pas. Lance un business, tu ne lances pas. J'ouvre votre esprit. J'ouvre votre esprit. Le thé de désenvoûtement que je vends. Je vous ai dit de l'acheter plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous n'avez pas acheté, n'est-ce pas? Toute immobilisation, toute inertie, tout blocage, tout démon dans ton ventre, toute tige qu'on a mis dans ton corps pour t'immobiliser, comme si on t'a attaché sur un poteau pour que tu ne bouges pas. Au son de ma voix, je commande à ces entités de sortir de votre corps. Au son de ma voix. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'entre vous, on me montre que vous faites de la prostitution spirituelle. Vous êtes très instable. Très. Un coup, tu es ici, tu écoutes. Un coup, tu es là-bas, tu écoutes. Je vous dis toujours, je ne suis pas l'ultime, je ne suis pas appelé à tout le monde. Mais si tu trouves l'endroit où tu sens que j'écoute, je fais. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas pratiquer. Vous voulez seulement écouter, tu te couches sur le lit comme ça. Vous êtes couché dans le lit là, vous m'écoutez, non? Vous ne voulez rien faire. Je viens stériliser. Je stérilise ton corps. J'enlève tout mauvais esprit dans ton corps. Là. De la tête aux pieds. Que ta lumière brille. Je vous demande d'allumer une bougie dans votre maison aujourd'hui. Bonjour mon antenne. Tu tombes pourquoi? Regardez mes deux plumes qu'ils m'ont données. Une est blanche, l'autre est noire. This is so good. This is good. Il n'a même remarqué jusqu'aujourd'hui. Like, noir, blanche. Le yin et le yang. Que cette lumière que vous venez d'allumer, vous devez toujours avoir des bougies chez vous. Si vous arrivez dans mes locaux, j'en vends. Ils ont des bougies qui ont été bénies par moi. Le problème que vous avez, c'est que vous vous fatiguez rapidement. On t'a attaché. Tu es là, tu es attaché. Tu peux conseiller quelqu'un. Hein? Fais comme ça. Oui, tu te laves au sel. Lave ton nom, suis la femme si elle suis là. Suis là. Mais toi-même, tu ne fais rien de tout ce que j'ai dit. J'ai une de mes vendeuses, de mes représentantes. Elle me dit que vraiment,
Même les produits de la maison, je n'utilise pas chez moi. 11h, il y a le kit maison hantée. Tu ouvres ton local. Tu ne bénis pas ton local, n'est-ce pas? Voilà ta maison, tu es couché. Quand tu te couches comme ça, on t'attache la nuit. Hein? Maman, côté droit, c'est quoi ton problème? Côté droit, encore. Et? Oh, parnyan, encore. Je suis. Tu regardes, parce que ici, là, le côté, c'est costaud, ça n'entre pas. Le trou de mes cheveux est petit. Ça n'entre pas. On a un problème de trou. Mais pour ça, quand vous parlez, pas trop de choix. Oh non. Bon, on a mis, j'ai mis ça quelque part. J'ai trouvé un trou temporaire. Bon, on va gérer comme ça. Nathaniel, bonsoir. Le roi. Il y a quelqu'un ici. Tu as lancé une activité. Tout ce que tu sais que tu dois faire pour établir spirituellement ton business, tu ne fais pas. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Hein? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Je dois bénir mon article. Je dois prendre le sel est votre meilleur ami. Si tu essaies d'appliquer mes conseils, ça met les troubles entre vous. Je ne suis pas là pour séparer un foyer. Si tu fais ça, vous sépare. Tu as un choix. Soit tu continues, sachant que c'est pour ton bien. Soit tu arrêtes. Tu protèges ton mariage. Donc, comme je disais, tu sais ce qu'il faut faire. Je vous ai dit que le sel gros grain, c'est votre ami. Le coup de girofle. Ah, c'est pour les gens qui ne veulent pas acheter mes produits. Je vous ai tout dit que je ne vous force pas. Ok? Je connais ce qui est mis dans mes produits. Et donc, si toi, tu penses que tu maîtrises, que la femme, c'est là, elle veut m'escroquer, il n'y a pas de problème. Le sel gros grain, là, c'est ton ami là-bas. Asso, c'est ton ami. Bonsoir, Cécile. Tu dois avoir ça même en sac. Si ton local est là et tu as les employés qui sont, supposons que tu voyages, tu n'es pas dans le même pays que ton business. En passant, vous pouvez travailler sur vos employés. Vous savez que vos employés sont souvent attaqués, non? Vous savez quand même l'autre là, non? Ok. Sel, clou de girofle. Cannelle, tu mélanges. Tata, tu dis que le kit fondation, c'est le top des tops. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas comment forcer les gens à acheter mes choses. Parce qu'elle connaît que si tu achètes, tu n'as pas le cardio pour faire. C'est que tu vas croire que j'étais escroqué. Acheter, c'est la première étape. Maintenant, il faut faire. Acheter, étape 1. Utiliser, étape 2. Beaucoup d'entre vous, c'est que mes produits sont encore chez vous. Mes produits sont chez vous. C'est dans ta salle de bain. Tu n'utilises pas. Christelle, si tu me suis depuis, tu ne connais pas là où on trouve mes produits, tu laisses. N'achète pas. Tu as compris, mamie? Tu as compris, non? Utilise, n'achète pas, laisse. Si tu me suis depuis, tu ne connais pas où trouver mes produits, tu laisses. Parce qu'il croit qu'on cherche, je cherche à Yotrouva. Quand il faut trouver le numéro de ton gars, il faut trouver sa maison. Tu vas trouver là où il vit. Tu vas trouver son lieu de travail pour lui faire la surprise. Tu as compris, mamie? Laisse-toi, pardon. Il faut laisser. Donc, je continue. Sel gros grain. Tour de girofle. Qui c'est qui? Pourquoi? Il est 20h, qui possiblement veut bien me parler? Oui? Oui, monsieur. Oui, très bien, monsieur. Pardon?
De quoi? Non, vous avez appelé la chambre une, monsieur. Vous êtes trompé. Appelez la réception. Appelez la réception, s'il vous plaît. Je ne connais pas. Désolé. Seigneur. Il a besoin d'une prostituée. Seigneur. Appelez une femme, je veux massage. Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Vous voyez la sorcellerie? Je ne sais pas comment une chambre peut appeler une chambre dans cet hôtel. Je ne comprends pas. Comment on fait pour qu'une chambre appelle une chambre? Il m'a trouvé mon directeur. C'est un Italien. Appelez une femme, une massage. Jesus. Le combat spirituel, c'est pas la blague. J'ai encore vu le tel qu'une chambre appelle l'autre sans passer par la réception. Mince. La prostitution, le plus vieux métier du monde. Une femme, massage. Ok, Seigneur, je purifie l'atmosphère. Non, il était gentil quand il a parlé. Bonjour madame, comment vous allez? Il était gentil. C'est quand il a dit massage là que mon appareil mental a dérapé. Purifie l'atmosphère, je reviens. Voilà, comme je disais, je parlais du gros sel. Ok? Ce n'est pas le toupet, ma chérie, c'est le business. Ok? Ce n'est pas un toupet. Pour l'eau, je suis à Ouaga. Je suis à Ouaga, monsieur. Ouaga est sucré. Bon, continuons. Gros sel, cannelle, coup de girofle. Si vous êtes dans un pays où vous pouvez trouver le jujube, si vous êtes dans un pays où vous pouvez trouver le jujube, vous prenez le jujube, vous vous écrasez. Et on ouvre le jujube comment? Dites-moi. Non, je ne parle pas des rêves des gens ici. Je suis tombée amoureuse de moi. Je suis hyper belle, charmante, ravissante. Tchaï. Joyeuse, merveilleuse, élégante, battante. Tcha! Drague sur moi, mais non. Drague sur moi, mais non. Voilà. On ouvre le jujube derrière. Donc, merci pour tes compliments, Moussa. On prend le jujube comme ça là devant, on le met derrière. On ouvre derrière comme ça. Et en ouvrant, on fait ses vœux. Que tout mauvais esprit dans cette maison disparaisse. Toute entité négative disparaisse. Tout mauvais sort, toute malédiction. Je préfère que tu écrases un peu le jujube. Moi, ce que je fais, je ne triche pas forcément. Je prends, je lance dans ma bouche. Je mâche. C'est plus rapide que d'aller sur la pierre. OK? Soit ce que tu peux faire, tu mets tout ça là ensemble dans le Moulinex, tu écrases. Le sel, tout ça là. OK? Sel, ou le girofle, cannelle. Tu appuies le. OK? Lis le psaume 35 dessus. Il dit que quoi? Alors, certains d'entre vous, vous ne connaissez pas parler. Vous ne connaissez pas parler. Tu gardes ça dans un petit bol. C'est ça que tes employés utilisent à la maison pour verser. Et quand vous versez, vous faites attention aux parties de la, aux fenêtres qui sont en fer, tout ce qui est en métal. Si tu verses le sel dessus, ça va s'abîmer. Tu peux prendre, tu te laves avec. OK? Mettre à la douche, chacun prend et se lave avec.
ta cou là, ce que je viens de décrire, verse ça là-bas. Il y a ce que j'appelle celle maison hantée. Ceux qui achètent mes produits connaissent. Maison hantée, c'est une poudre que c'est une écorce du village. Donc moi-même, je ne pourrais pas vous dire que prenez ça ou allez au marché demander ça. Tu demandes l'écorce, le sel maison hantée que je vends. Tu peux mélanger là-dedans. Parfois, dans votre kit, il y a la poudre maison hantée qui vient. Tu prends, tu mélanges dans ce sel que je viens de dire. Tu verses. Tu mets l'autre dans le pot. Tu tires. Si tu as la pied écrasée, tu peux écraser coup de girofle cannelle. Ou tu mets dans le moulinex, non. Tu zzz, du jus que le girofle et cannelle. Tu écrases avant de mettre dans le sel. Purifiez vos maisons. Moussa, je t'ai vu venir. J'ai vu la fenêtre par laquelle tu voulais entrer. Tu viens d'abord avec les compliments. Maintenant, tu me demandes que je te dise qui tu es. Je ne vais pas devoir t'insulter. Tu as été gentil au départ. Donc, il faut sortir. Pardon. Prends ta, mais le même trou par lequel tu entres là, entre là-bas, tu pars. Tu as compris? Passe par le même trou, tu pars. Voilà. Si tu ne trouves pas le jujube, tu fais la cannelle, le coup de girofle, c'est tout. Dans mes kits, il y a le jujube. Deuxième chose que tu dois faire. Franck des USC, bonsoir. Deuxième truc que tu dois faire, tu prends le jujube, pas besoin de jujube, coup de girofle, cannelle, tu as l'air écrasé, tu brûles ça dans la maison. Tu prends le charbon, tu mets sur un papier, un sac, un truc en inox. Tu mets ça là-dessus, tu mets le charbon dessus, tu verses ça là. Ça, c'est pour faire les détox de la maison. Maintenant, il y a quelque chose dont je dois vous parler ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous faites ce que je dis là déjà. Mais vous le faites passivement. Tu brûles le coup de girofle? Tout ce qu'elle dit là, tu connais? Mais tu es sur un fief dans lequel on t'a accroché, on t'a attaché. Tu me suis. Tu es un accrochage d'attache. Un sac d'attache. Un sac. Peu importe ce que l'ennemi a mis. Quand vous avez commencé à vous débarrasser, tout est caillé sur vous, ça tombe. Tout ce qu'on a mis pour vous bloquer, ça tombe. La mauvaise peau qu'on a mise, ça tombe. Je déclare que le Seigneur lui-même descend pour vous sauver, pour vous délivrer. Que toute guérison qui a commencé dans votre corps soit accomplie, qu'elle soit accomplie et achevée par la puissance divine. Je viens ouvrir vos dons. Que tout ce que vous savez, que ces dons-là, de pouvoir voir les choses en avance, que le Seigneur vous montre là où se trouve l'argent, qui se trouve là où se trouvent les collaborations, qui vous montre là où se trouvent les relations, les connexions au président, aux grandes personnalités, que vous puissiez croire que vous aussi vous pouvez. Quand vous descendez dans les étoiles 5 étoiles, dans les résidences, dans les manoirs, vous allez vous connecter aux plus grandes personnes de ce monde. Que ces personnes qui sont tombées sur vous, qui allaient changer votre vie, qu'elles vous reconnectent, qu'elles se reconnectent à vous. Je réactive en vous ce que la chance, la lumière, l'étoile que le Seigneur a mis quand il vous a créé, qui avait été volée. Toute personne qui était assise sur vous, que ces personnes-là dégagent, que ces personnes tombent. Toute personne qui a voulu bloquer votre voix, votre gorge, que ça ne sorte pas. J'ouvre votre gorge aujourd'hui. Par la puissance divine, j'active vos pouvoirs. Que vous prenez le pouvoir pour écraser les scorpions, les serpents, pour les écraser. Toute puissance de l'ennemi, je déclare que vous les écrasez aujourd'hui, physiquement, dans le rêve, mentalement, dans vos pensées. Tout ce qu'on avait mis pour vous descendre, pour vous décourager, moi-même je viens écraser aujourd'hui. Tout projet que vous avez commencé, et actuellement le projet là est comme si ça devait vous écraser seulement. Je déclare aujourd'hui, revoyez l'argent là venir à vous. Si c'est 1 million d'euros, reçois les 1 million d'euros. Si c'est 2 millions d'euros, reçois les 2 millions d'euros. Peu importe la somme qu'il te faut pour finir ton champ, pour payer ton terrain, reçois cette somme d'argent et accomplis les projets que tu as commencé. Toute personne qui a commencé le projet avec toi, t'a abandonné. Je déclare que la force de cette personne-là t'est donnée. J'ajoute ça sur tes épaules. L'autre force que la personne
avoir. Quand on appelle, on te donne ça cette nuit. On te charge cette nuit. On te charge par la puissance divine. Vous ne manquerez pas. Je déclare que vous n'allez pas manquer. Tout endroit, on allait parler contre vous. Toute personne qui a prévu de vous descendre. Toute personne qui a prévu de vous descendre. Je déclare que vous remontez tout trou dans lequel on vous a déposé. Je déclare que vous remontez, vous sortez des trous là où on vous a déposé. Je sors comme ça votre nom des listes noires. Toute liste noire dans laquelle on a mis votre nom. Et vous là, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Tout indicateur qu'on a mis sur vous qui fait que les mauvais esprits vous localisent à chaque fois. J'enlève les indicateurs. Ainsi soit-il, par la puissance divine. Je viens ouvrir votre bouche pour que vous parliez. Là où tu étais timide, c'est ton travail. On te faisait du mal, tu acceptais seulement. Je déclare maintenant que tu reprends de la force. Je viens vous embellir. D'où voile les masques qu'on a mis sur vos visages. Que ton visage brille, qu'on reste comme ça, on parle de toi. Je déclare que tu renais de tes cendres ce soir. Quand tu vas te réveiller demain comme ça, c'est une nouvelle personne qui va quitter le seul lit là. Tout ce qui était mauvais dans la nuit, ils vont venir opérer, ils vont retirer. Quand tu vas te laver ce soir et demain, tout ce qui est comme écaille négative sur toi, ça va quitter. Je change ton visage. Les gens que tu étais brune, maintenant tu es noir là. Avant tu avais un beau teint, maintenant tu as les boutons sur le teint. Je nettoie ton teint, je nettoie ton visage. Je te sors de tout trou financier dont on t'a mis pour attacher tes finances. Je débloque ton argent, je débloque ton argent. Je t'appelle les bonnes personnes, les bons collaborateurs. J'appelle les bons employeurs, les bons employés qui te trouvent, les bons clients. Que les clients qui donnent les mots de tête là, qui ne te localisent plus. Un client devait te donner un gros contrat. Après, il a perdu ton numéro. Et le gars qui va t'appeler, il va témoigner que wow, j'ai retrouvé. Même si vous allez vous rencontrer par hasard dans une foule de 100 000 personnes, vous allez vous reconnecter. Je connecte vos anges pour qu'ils aillent amener les personnes qui vont changer votre vie, que ces personnes vous localisent. Si un homme, peut-être tu étais avec un homme, tu as connu un homme ou un de tes grands, peu importe l'homme, et qu'il avait décidé qu'il devait t'aider, je mets dans le cœur de cette personne de t'aider. Sans arrêt. J'ouvre votre gorge. J'ouvre votre gorge ce soir. J'ouvre votre gorge ce soir que vous puissiez parler. Je vous connecte à la puissance divine qui vous a créé. Comme vous écoutez cette parole, je vous détache tout esprit d'araignée, toute toile d'araignée dans laquelle on vous avait attaché. On vous a encerclé. Je vous sors de là au nom de Jésus. Je vous libère. Je vous détache. Je viens contre les distractions que l'ennemi a mis sur votre chemin. Que toute personne qui vous agace, qui vient pour distraire votre énergie, qu'elle sorte de votre énergie, de votre champ énergétique. Par la puissance du Saint-Esprit, toute distraction, toute personne qui vient pour détourner votre puissance, qui vient pour canaliser négativement votre puissance, que cette personne quitte de votre chemin. Je vous sépare. Je coupe le lien qui vous liait à toute personne négative pour votre destinée. Qu'aucune âme qui a été forgée pour vous bloquer n'ait plus d'effet sur vous. De la main sur le visage, je restaure votre vision. J'ouvre votre vision. Que tu reprennes tes projets. Que tu voies ton argent venir. Tout part de la vision. Comme tu m'écoutes, je remets de l'espoir en toi. Cette somme que tu pensais que tu ne pouvais pas avoir, obtiens-la maintenant. Reçois. 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 Tous les amis spirituels, entre guillemets, qui sont à côté de vous, pour vous détourner de l'attention. Vous savez que chacun a son onction. Il y a les gens qui sont distraits par des combats qui sont inutiles dans le spirituel. Parfois, tu l'entends parler, tu te dis, mais est-ce qu'on sait même le même Dieu là? Donc, on fait les mêmes prières,
Pourquoi ta part est toujours farfelue? Il te raconte ses attaques comme ça, le temps qu'il a fini, ton énergie est finie dans ton corps. Toute sensus spirituelle qui fait, oh, moi aussi je prie, moi aussi je me lave au sel, moi aussi, je vous libère. Je vous libère. Vous les identifiez, vous les bloquez. Vous les identifiez, vous les bloquez. Je chasse le ralentissement. Toute personne qui vient pour voler ton énergie. Je vous ai toujours dit de faire attention aux faux prophètes. Les personnes qui viennent à côté de vous. Ce n'est pas à cause du nombre de followers de quelqu'un. Quand tu ne sens pas quelqu'un, tu ne sens pas la personne. Je mets en vous la discipline spirituelle. Je rappelle mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Pour les arnaqueurs qui m'ont touché à ma vidéo. 237-693-50-22-66. Tout endroit où on est parti, on vous a enterré. Toute personne qui a un joujou ou un truc, un fétiche pour vous manipuler. Au son de ma voix. Au son de ma voix, je déclare sur vous que cette fétiche n'a plus d'impact sur vous. Ce fétiche n'agit plus sur vous. Je viens te désenvoûter comme tu m'écoutes. Je te désenvoûte comme tu m'écoutes. 237-693-50-22-66. Je te désenvoûte. Tout serpent qui était dans ta colonne vertébrale, touche ton dos, le cou là, juste en bas de ta nuque. Quand tu as déposé ton doigt là-bas, toute porte spirituelle qui a été ouverte, que ce soit par des actes sexuels, que ce soit par des choses que tu as regardées ou écoutées, ou des personnes avec lesquelles tu es couché dans la même maison, dans le même lit, qui ont pénétré ton corps, tu t'es assis sur des fétiches, tu t'es assis sur une chaise où on avait mis des fétiches. Je te libère. Je te restaure. Ils ne savent pas que tu es le poison. Toi-même, tu es le poison, tu es l'antipoison. Quelqu'un t'attaque, il reçoit sa portion. Quelqu'un t'attaque, ton corps transforme ça. Retour à l'envoyeur. Écoutez, on n'attaque pas n'importe qui dans le spirituel. Parfois, vous doutez de vous. On ne touche pas à n'importe qui. Parfois, tu arrives chez quelqu'un, tu t'assois sur sa chaise. On a préparé la chaise là pour la personne. Tu t'assois, ta puissance détruit le fétiche qui est sur la chaise. Marie Kassou Sabi en Kassou d'Abakasha. Les bros soukari atakoshi karabakasien d'Alakashi d'Abasso. Tu es l'antidote. Tu es l'antidote. Comme tu m'écoutes ce soir. Tu es l'antidote. Toute personne que tu as pris sous ton aile, juste par le fait que tu pries pour la personne, par le fait que tu as pris sur toi d'aider la personne, ton argent ne va pas entrer dans le trou financier dans lequel cette personne est. Ton argent n'entrera pas dans le trou financier dans lequel on a plongé cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je travaille sur une dame à Abidjan l'autre jour. Elle fait partie du peu d'élus sur lesquels je travaille. Elle a commencé son kit des envoûtements hier, lundi. Aujourd'hui, elle me fait le message. Elle me dit, je vais vous faire écouter un peu une partie du voice. Non, pas besoin. Je vais vraiment vous le dire comme ça. Celui qui croit, croit. Celui qui ne croit pas, on s'en fout. Elle me dit, ça fait un an, jour pour donc, pas jour pour jour, mais août de l'année passée. Un prophète est entré dans sa vie. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Le prophète entre dans sa vie comme ça, un temps de mouvement. En un mois, elle lui a donné 5 millions, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous comprenez. En un mois, elle a porté 5 millions de francs CFA. Elle lui a donné. Deuxième chose,
Deuxième chose, en un mois, tous ces contrats se sont terminés. Elle avait les gros contrats, tout ça, c'est parti. Et c'est comme si elle avait oublié. Parce que quand ça s'est passé, elle a fui le monsieur. Elle a bloqué. Et depuis, elle avait oublié. Aujourd'hui, quand elle fait le kit, comme elle a commencé le kit hier, elle a compris que je viens de loin. Et elle dit qu'aujourd'hui, le prophète l'a... TikTok, vous m'entendez? Ça bug, je vais devoir sortir, je vais aller dehors. Vous m'entendez, Facebook? D'accord. Elle me dit, elle commence son kit hier, le monsieur l'appelle aujourd'hui. Est-ce que je peux te voir? Comment tu vas? Ça prend comment une femme responsable, mature, avec 3 enfants, quelqu'un t'enjaille, tu portes tes 5 millions d'économies, tu lui donnes en 4 semaines. Parfois, bonsoir Mireille, parfois vous vous retrouvez sous des envoûtements. Tu te rends compte quand tu as déjà fait jusqu'à plus tard. En écoutant son témoignage, j'étais avec une autre personne. J'ai dit à la femme là que je ne peux même pas blâmer celle-ci. Je connais ce que les femmes subissent là-bas dehors. Il suffit que quand arrive, il voit ton mode de vie, tu as ta voiture. Tu as ta maison, tu paies ton loyer 600, 700 000 le mois. Tu vois l'école où tes enfants partent. Il est en train de te jauger. Il est en train de te jauger. Il fait 2 semaines avec toi. Ouais, bé, tu sais, voilà, j'ai un petit problème là. Tu sors 1 million, tu donnes. Bon, voilà, il revient 2 jours plus tard. Tu crois que quelqu'un se retrouve comment avant de donner 10 millions à quelqu'un? Toi, il a porté 10 millions en une fois. Tout envoûtement, toute manipulation énergétique, personne qui manipule les auras sous l'emprise duquel tu as été au son de ma voix, tu sors de ce trou. Parfois tu restes, tu sais que la personne ne m'amène nulle part, il ne m'apporte rien, tu es là. Au possible, tu ne bouges pas. Je remets la lucidité dans ton esprit. Toute lueur, parfois la personne prend ta faveur. Quand il sort de ta vie, c'est comme si tu es dans un brouillard. Tu es dans un brouillard. Jusqu'à ce qu'on vienne te sortir de là comme ça, là, boum. Et une partie de son témoignage, elle me dit que depuis 1 an, elle n'avait pas de contrat de quelque chose. Oh, elle fait les contrats où elle loue les gros engins aux gens. Elle a commencé le kit hier. Aujourd'hui, on l'a appelé. Quelqu'un, elle essayait seulement un peu. Même la consultation qu'elle avait payée, le lavage qu'elle avait payé, elle a seulement racolé un peu l'argent à gauche à droite. Tu quittes, tu as les gros contrats mensuels. Tu chutes.
12 mois, même une personne ne t'appelle pas. Si le son de ma cloche te dérange, écoute bien. Voilà ma réponse. Tout démon dans ton corps qui n'aime pas ma cloche, comme je sonne là, il sort. Tu comprends, non? Il va check out. Tout esprit d'esclavage. Il y a les gens qui sont dans ta vie, tu les sais. Écoutez-moi bien, je vous fais des déclarations ce soir. Tu es son esclave. Il est commandé par un esprit. 11 jeûne demain en passant. Préparez-vous, ne mangez pas beaucoup ce soir. 11 jeûne demain. 6h, 18h. Donc ce soir déjà, tu écris ce que tu veux changer dans ta vie. Demain, tu te laves au pipi le matin. 4h, tu te laves au pipi. T'as compris, non? Femme enceinte ne jeûne pas. Tu veux tuer l'enfant. C'est comment avec toi? Diabétique. Hyper tendu, sous médicaments, ne jeûnez, ne vous privez pas de nourriture. On jeûne un seul jour par semaine. Femme enceinte se lave bien même au sel. Femme avec les menstrues, tu peux te laver au sel, ça ne fait rien. Tes menstrues, c'est un processus de purification. Tu purifies l'énergie dans ta maison. Le gars avec qui tu as été, tes enfants, tous les gens que tu as dans tes 5,50 m. Quand tu as tes menstrues, ça, tu es en train d'enlever, tu les purifies. Je veux juste te laver au sel. Ce que je suis tellement habituée au sel que menstrue, pas menstrue. Mais vous savez quand même que la période de menstrues, il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Que ma cloche est en train de retirer les choses de ton corps. Hein. Tout démon dans votre corps, toute entité qui vous a attaché, comme je sonne encore là. Je parle à vos os qui vous libèrent. Il vous libère. Ça sort de ton esprit, ça sort de ton corps. Ça sort de ton ventre, pas les crachats. Peu importe, ça sort. L'énergie de la ville où tu es qui te bloquait. Je te détache, je te détache. Vous savez qu'on a les limitations de ville, non? Il y a un esprit qui immobilise. Tu arrives souvent dans certaines villes, tu vois, les gens sont bizarres, ils sont mal habillés, ils sont pauvres, ils sont ceci. Tu arrives dans une autre ville, tu vois, tout le monde, il y a des esprits qui dominent les villes. Toute ville dans laquelle tu es, et l'esprit de cette ville, il y a des esprits qui n'encouragent pas que tu sois spirituel. Tu sais, allez, je dois courir pour aller au magasin. Je dois courir. Tu n'as pas le temps pour te concentrer. Il n'y a rien là-bas qui est vert. Il n'y a pas d'herbe. Tu es seulement en train de monter des sangs, monter des sangs. Ton corps est faible. Mettez la main sur la gorge. Je libère votre gorge, votre voix. Tout esprit négatif qu'il y a dans ton oesophage. Touche ton nombril. Tu remontes de ton nombril jusqu'à ta gorge. Faites ça 3 fois. Je vous libère tout serpent qui se trouve dans ce canal. Tout esprit négatif,
qui te manipule pour que tu manges trop. Allez, touche. Comme tu touches comme ça. Ange Michael, j'utilise ceci comme point de contact pour libérer la personne qui est en train de se toucher l'œsophage. Je libère ta gorge. Tout ce qui bloquait tes projets. Il y en a parmi vous, vous êtes censé être dans 5 pays, 10 pays. Tu arrives à peine à vendre 3 produits par jour dans ta ville. Je te libère de l'influence négative de l'ennemi sur tes projets. Ruski alusa karika torush kamba ile kasantra. Rosu karika karaka sumpre. Arandra kokoturi kishakati ela basombo. Nikara kusukri endara kasandra. Je vous commande de libérer leur corps à cet instant. Par la puissance du Saint-Esprit. Elles vous ont pris dans les relations sexuelles. Je commande que ça sorte, vous sortez de leur ventre. Elles vous ont pris dans la nourriture qu'elles ne peuvent s'empêcher de manger, ça les bloque. Elles vous ont pris dans les inquiétudes. On les a influencées, elles sont parties prêter de l'argent, elles n'arrivent pas à rembourser. Je vous libère, je libère votre corps au nom de Jésus. Ondro sucre esengrasu kunduria tashanda o korushi kanda li kandoro bosobrashi kesa. Garire mosinda li kasara banshumbria dana sandi. O korandari masokoro bosanda. Tu vas recevoir des flashs, des visions des pays où tu es censé partir. Tu es censé être entre deux continents. Tu es censé être en train d'établir des usines. Mais on t'avait attaché. Je te détache de cet arbre dans le spirituel. Ondoru kosumbre e ke lika sumbre e katarakaso. Likanto lo kosumbre e ti la kaso kotumbi e le kisaki a la basso. Je vous commande de sortir de leur corps. Libérer leur destinée à cet instant. Par la lumière de la puissance du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'alpha, lui qui est l'oméga. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumet pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Ou un serpent qui est en train de se tordre là maintenant. Il y a un serpent qui est en train de se tordre. Je te commande de sortir de son corps, de son dos. Toucher le bas du dos. Toucher le bas du dos. Toute entité négative que vous avez porté à travers des relations sexuelles, les transferts énergétiques qui vous ont été faits dans ces interactions. Je libère votre dos. Je libère votre ventre. Venez vers l'avant. On touche son utérus. Je libère votre utérus pour que vous accouchiez, que vous puissiez concevoir. Tout serpent, toute entité négative qui est cachée là-dedans, qui mange l'enfant dans ton ventre à chaque fois que tu veux concevoir. Je commande qu'ils sortent. La mourie ne bosunda ni anamana kariana mosana. Goni anamanu ni e bosumbre e kasura. O kundru i le manna la kamani e le basaka. La nerimuni e manna la kani monsini a boshe anamanka talie mosa. Gardez la main sur le dos. Je commande à tout serpent de sortir de votre dos. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Marie, j'enveloppe les personnes qui m'écoutent par ta présence divine.
Oh, Rihanna souri, Shekandari, Mosorombre, Ikesekanda. Kondoro kosubre, Shikara, Kausanda. Kandoria Masunde. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pendant que je parle, la lumière de la Vierge Marie envahit votre maison. Même si vous ne croyez pas en la Vierge Marie, j'utilise cette puissance pour vous délivrer de tout ce qui bloquait votre argent. Tout ce qui bloque ton mariage pour que tu n'attires pas d'homme dans ta vie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, qu'il en soit ainsi. Mettez la main sur le nombril. Tout poison que vous avez avalé, tout ce qu'on a déposé dans votre ventre, toute nourriture que tu as avalée, c'était un poison. Je commande maintenant que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'opère votre corps maintenant. Je vous libère. Tout en vous, tu es parti, on t'a imposé les mains et la personne était mal intentionnée. Vous savez qu'il y a les hommes de Dieu qui ne sont pas purs. Vous partez, vous passez leurs entités. C'est ça qu'on me montre. Il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré par un esprit d'impudicité. Tu t'es fait draguer même par cette personne. Et la personne travaillait sur toi. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Tout esprit d'impudicité qui est entré dans ton corps à travers cet homme de Dieu. Je libère l'état de ton cœur. Je casse, je détruis l'esprit de masturbation. Tout esprit serpent négatif de masturbation qui a pris l'emprise sur ton corps, je t'en libère. L'une des conséquences de l'impudicité ou de la masturbation, c'est que ça affaiblit ta volonté. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Tu dis bien que tu vas faire, hein. Tu veux, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à dire que je vais faire tel travail, tu pas fait. Bonjour Kenza. Tu n'arrives pas à... Tu es sur le net, tu flânes, tu tournes. Et tu te fais absorber ton énergie. Tout esprit de masturbation qui t'a attaché. Au nom de Jésus-Christ, je commande qu'il sorte. J'enlève l'envie de te retrouver sur des pages qui ne sont pas bien. L'envie d'appeler cet ex. Il revient comme un serpent qui rampe pour revenir dans ta vie. Je détruis, tu ne lui réponds plus. Tu n'es plus attiré par ses paroles flatteuses. Ma fille, tu as beaucoup à faire. Tu dois coacher, tu dois être le mentor de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, tu es délivré de l'influence de cet homme. Aujourd'hui, nous ouvrons tes yeux pour que tu le voies tel qu'il est réellement. Tout esprit d'influence, de manipulation, tout pacte que vous avez signé dans la jeunesse, qui fait que vous tournez, vous revenez ensemble, nous le coupons aujourd'hui. Nous détruisons cela. Tu as eu l'enfant avec lui, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Tu as eu l'enfant avec lui, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. L'enfant là, c'est le seul lien que vous avez. Et nous coupons tout lien négatif que vous avez eu à cause de cet enfant. Ou de ses enfants. Tu fais un pas en avant, trois pas derrière à cause de cet homme. Nous te détachons.
Nous libérons ton esprit de tout. Quelqu'un essaie de toujours prendre le thé de désenvoûtement. N'oublie pas le nom. Le thé de désenvoûtement, c'est un produit que je vends à 10 000 au Cameroun. Ailleurs, c'est peut-être 12, 13 000. La personne utilise cette liaison d'enfant pour revenir dans ta vie. C'est un esprit, en fait, qui entre dans cette personne. Ça ne vous a jamais étonné que souvent, il y a des ex qui vous contactent comme ça, là. Out of the blue. Oh, tu es encore ma femme. Ma femme. Monsieur, quand, comment? Tu as 3 enfants avec ta femme. Oh, Changaneka, tu me cherches pourquoi? Tout lien d'âme, tout accord que vous avez pâtissé pendant que vous faisiez l'amour il y a 18 ans, 20 ans, 45 ans, je détache aujourd'hui. Et tout esprit venant de ce père ou cette mère d'enfant qui bloque ton enfant aujourd'hui, nous coupons. J'ai dit quoi? Nous coupons. Nous coupons. Nous coupons. Commandez le thé de désenvoûtement et la poudre jaune, s'il vous plaît. Je crois que les deux doivent faire 20 000 au Cameroun. Donc, je vous donne une réduction. Je fais les deux à 16 000. Oui. Vous payez l'envoi 1 000 francs. Ça fait 17 000. Donc, ceux qui demandent ça au Cameroun, ceux qui sont en Europe, c'est délicat. Il y a ça dans les kits, mais pas en grande quantité. Donc, si vous commandez un kit, vous demandez qu'on mette ça, on ajoute ça là-dedans. Donc, si tu es au Cameroun, tu demandes ça, tu dis promo, on est le 15e, promo 23. Oui, promo 23. Donc, au lieu de faire 20 000 plus 2 000 d'envoi, ça fait 16 000 plus 1 000 francs d'envoi, ça fait 17 000. 22, 17, 20, 21, 22. 3 000, c'est petit. Il faut que je diminue encore. Bon, on met à 16 000. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non, attends. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Non, 6 000. On met à 17 000. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 000. Voilà, j'ai réduit 5 000. Super. Donc, ça fait que vous payez 17 000 avec l'envoi au lieu de... Rappelez-vous, je sais que les gens, ça va les aider. Le thé de désenvoûtement et la poudre jaune. Poudre jaune, c'est anti-poison. Couche de nuit, poison de nuit, masturbation, ça gère aussi ça. Poudre de désenvoûtement, ça enlève les dépôts qu'on a mis dans le ventre. C'est pas dans le ventre. Voilà. Donc, les deux produits là. Promo 23. On continue notre prière. Ceux que ça ne les concerne pas, ne vous dérangez pas. Voilà. Voilà, c'est ça qu'ils disent souvent. Que partout où tu vas aller, tu seras et tu resteras ma femme. J'ai déjà tellement entendu ça moi-même. Je m'accorde avec vous. Tout nœud qui est dans votre destinée venant d'un ex. Quelqu'un est ressorti, pense à toi pour te... Oh, elle a encore ma famille. Il fait coucou. C'est coucou. Vous pouvez aussi ajouter dessus un rituel pour couper les liens. Vous mettez le nom du papa de vos enfants. Mais s'il y a un nom qui vous vient à l'esprit, votre nom avec le nom de la personne. C'est 10 600. Ce rituel, c'est 10 600. Je ne fais jamais la réduction sur ce rituel. Le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Donc, si tu prends les produits à 17 000 et tu prends le rituel à 10 600, ça te fera 27 600. Tu envoies les frais de retrait 400. Ça fera 28 000. Couper les liens, 10 600. Poudre jaune, thé de désenvoûtement. Voilà. 237 693 50 22 66. Et le code promo, c'est promo 23. Voilà. On va bientôt continuer. Bon, il y a un code promo qu'on vient de donner qui s'appelle code promo 23. Vous demandez le thé de désenvoûtement et la poudre jaune qui combat les couches de nuit, masturbation, poison de nuit et ça enlève les serpents dans le ventre avec le rituel pour couper les cordes qui est 10 600. Donc, tout ça avec l'envoi
dans toutes les villes du Cameroun et à Douala même, c'est 17 000 francs, les deux produits. Et si tu prends le rituel de détachement, pardon, le rituel pour couper les liens, qui est 10 600, tout ça fait 28 000 francs total. Tout est inclus, frais d'envoi, frais de retrait d'argent. Voilà. Ça, c'est pour détacher les personnes qui sont encore liées au père de leurs enfants, à la mère de leurs enfants, ou les personnes qui ont signé des pactes quand ils étaient jeunes avec un gars ou une fille. Et tu avances, mais tu es encore attaché à ton passé. Voilà. Le code, c'est promo 23. Ok. À bon entendeur. Salut. Salut. Ok. Je vais continuer la prière. Attendez, je mentionne juste ça. Tu dois comprendre l'enjeu de ta situation. Pour l'Europe, on peut envoyer à Paris. De Paris, on va vous poster. Ça va faire peut-être 8 euros l'envoi à Paris. OK? On verra le nombre de commandes qu'on a. On peut faire un DHL là-bas. Et puis, le monsieur va diviser et puis vous envoyer. Donc, je vais vous donner ça en promo à combien? 27 000 en promo, c'est combien? Vous convertissez, vous ajoutez 15 euros dessus. OK. Le numéro du Gabon, c'est le 074 18 00 80. Le réseau, mon combat. Le réseau dans la maison, c'est... Reine Ericia, tu es où depuis? Ericia. Hein? Aïe. Vous ne faites pas attention, vous vous laissez engloutir. Vous ne faites pas attention, vous vous laissez engloutir. Et c'est pas la blague. TikTok, vous m'entendez? Beauté. Le numéro du Gabon, c'est le 074. 18 00 80. 074 18 00 80. Je plonge dans le plan astral de votre aura. J'enlève toutes vos guides pour vous empêcher de savoir qui vous êtes.